Bonjour mesdames et co-créateurs, c'est Lilou pour la télé Lilou, je suis à Reims pour une des toutes dernières interviews, si ce n'est pas je pense la dernière interview avec le magnifique Dieter Pionta. Écoutez, il fallait absolument que je vous interviewe. Vous voulez pas répéter, j'ai pas entendu la présentation. Le magnifique, le talentueux, le séduisant Dieter Pionta, bonjour. J'adore, bonjour, ravi de vous voir. Alors moi aussi je suis ravie de pouvoir vous parler parce que vous êtes quand même connu, vous êtes un docteur hein, qui a travaillé avec pas mal de stars, de chefs d'État, de personnes connues. Vous en avez fait des personnalités comme ça. Comment ça s'est passé? Pourquoi vous êtes tombé dans ce domaine-là de personnes importantes et de célébrités? Oui, j'avais un cabinet à Paris, qui, rue La Boétie, place Saint-Philippe-du-Roule, ça marchait très bien. Et puis tout a commencé un jour où j'ai reçu un coup de téléphone en me disant est-ce que vous voulez bien venir au Ritz? C'est un samedi matin et je suis allé au Ritz, là dans la suite impériale. C'était une petite chambre assez sympathique, genre 200 mètres carrés. Et ben, là après, ce client n'a plus voulu. Il m'a rappelé le lendemain. Donc je l'ai vu, on m'a donné de l'argent, passablement. Et le lendemain, je reçois un coup de téléphone. Est-ce que vous voulez repasser au Ritz? Je me dis qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Et il me dit, non, j'étais ravi de ce que vous m'avez fait, j'aimerais que vous refassiez ça, ça m'a fait un bien fou, je suis content comme tout. Et il s'est trouvé que cette personne avait accès à des gens très connus dans le monde, des chefs d'État, des hommes politiques et tout. Donc j'ai beaucoup voyagé dans le monde, j'ai eu l'opportunité de traiter 12 chefs d'État et les gens les plus connus partout, à Santa Barbara aux États-Unis, à Marbella, à Monaco, à Rome, enfin partout, à New York, partout. Donc ça a été une vie assez extraordinaire. Très fatigante parce que je voyageais sans arrêt en avion, mais en même temps j'ai appris beaucoup de choses pour essayer de comprendre, parce que j'ai une question qui me hante depuis l'enfance, c'est pourquoi? Pourquoi il y a des gens qui réussissent, d'autres qui réussissent moins bien? Pourquoi il y a des gens qui sont agressifs, méchants et d'autres joyeux, contents? Donc là j'ai eu l'occasion de cultiver mes expériences de l'humain, parce que l'humain me fascine toujours, et puis ça a été très intéressant, très enrichissant pour moi. Voilà. Comment on atterrit ici à un congrès de physique quantique? Quel est le rapport en fait? La médecine quantique, c'est ce que vous pratiquez depuis tout le temps ou c'est venu petit à petit? Et qu'est-ce qui était si spécial en fait qui a commencé à titiller les gens? Ils en ont voulu plus. Alors, quelque chose me sidère absolument, c'est que ma profession, chiropracteur, je suis chiropracteur, j'ai étudié aux États-Unis, j'ai fini en 71, ma profession devient de plus en plus moderne. C'est-à-dire que les concepts qui ont été évoqués à la fin du 19e siècle, 1895 environ, se retrouvent d'une modernité absolument folle. Parce qu'à cette époque, et ça nous a valu une grande, certaine incompréhension au départ, c'est qu'on a dit le corps est un tout. Au moment où la médecine normale décidait de séparer le corps en spécialités, etc., nous, le Palmer de la chiropractique a dit non, le corps est un tout. Donc c'est la première chose. Deuxièmement, il a dit il n'y a pas deux individus identiques, respecte l'individualité. Et maintenant, la médecine quantique nous permet de comprendre qu'on n'est pas dans le simple, on n'est pas simplement douleur contre maladie. Le corps est un tout, l'individu est unique. Individu, ça veut dire indivisible, pour commencer. Et donc, ma médecine intéresse de plus en plus de gens parce qu'on s'aperçoit qu'elle a des résultats d'abord absolument fabuleux. On a 93% de satisfaction des patients, ce qui est quand même assez extraordinaire. Beaucoup de gens pensent que la chiropractique, ça peut être agressif, dangereux, etc. C'est une blague parce que nous payons des assurances professionnelles les moins chères de toutes les professions médicales. Nous payons moins cher qu'un masseur kinésithérapeute, nos trucs, donc on ne fait rien, c'est jamais agressif, jamais dangereux. Et donc cette profession intéresse de plus en plus de gens, à tel point qu'il y a 700 jeunes en ce moment qui étudient à l'IFEC, Ivry, Paris et Toulouse. Donc c'est une profession pleine d'avenir pour les jeunes et pleine d'avenir pour des millions de personnes, j'espère, parce que ça change la vie des gens, tout simplement. Donc c'est extraordinaire. Ouais. Mais quand on parle chiropractie, on pense plus à mécanique. Mais en fait, la mécanique et l'énergétique est complètement liée pour vous. Hein. Vous savez, en médecine, c'était un mot interdit, énergétique, il n'y a pas si longtemps. Complètement interdit. Comme émotion, d'ailleurs. Ça n'existait pas dans aucun livre de pathologie. Vous pouviez voir un rapport entre les émotions, l'énergie, la santé, le système immunitaire, etc. Or, maintenant, on le découvre de plus en plus. C'est-à-dire que un récent congrès d'oncologues à Détroit, les spécialistes du cancer ont dit il pourrait bien que le docteur Hammer, en son temps, ait eu raison, parce qu'il pourrait y avoir un lien entre les émotions et le cancer. Et il a fallu presque 40 ans, je vous signale. 40 ans pour comprendre ça, parce que les émotions, ça n'existe pas. Il y avait les jeunes femmes blondes, un peu comme vous, qui étaient dotées d'émotions. Les hommes n'ont pas le droit de les montrer. Ça n'existait pas en médecine. Maintenant, on peut mesurer l'impact d'une émotion sur le système immunitaire, sur notre système nerveux, et on s'aperçoit que le corps perçoit tout. Donc la chiropractique, c'est
pas seulement le mécanique, c'est surtout le système nerveux, c'est l'originalité de la chiropractique par rapport à d'autres thérapies, c'est la vision globale et c'est le système neuro-musculo-squelettique, comme on dit. C'est-à-dire on a affaire avec le système nerveux, les muscles, les os, mais tout est lié. Pourquoi séparer les os des muscles? C'est la même chose, en fait. Donc l'idée, c'est de véhiculer des informations dans le corps. Le corps véhicule des informations en nous envoyant des symptômes, donc des douleurs, des trucs, des problèmes, ou une réduction de la mobilité. Et notre job, c'est d'essayer de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Donc on doit analyser une personne des pieds à la tête, de la tête aux pieds, et le corps n'a rien à nous cacher. Et si on regarde avec suffisamment de précision, on découvre des tas de choses qui expliquent telle ou telle situation. Donc plutôt que de chasser la situation avec un produit médicamenteux, je dirais, on se demande toujours pourquoi. Mal à la tête, pourquoi? Mal au dos, pourquoi? Est-ce que ça part aussi d'un constat que le corps est intelligent naturellement et que donc on facilite, on l'aide à faire son vrai travail? Est-ce que c'est ça un peu votre métier? Et oui, vous avez raison, parce que de tout temps, dans toutes les cultures, on a une connaissance de ce que nous, en chiropratique, on appelle en anglais « innate intelligence », mmh, intelligence innée. Mmh. Et il y a eu différents noms pour ça, prana, atma, ka, ki pour les Chinois, par exemple dans la médecine chinoise, le ki c'est l'énergie. Mmh. Et le chi, des fois. Voilà, chi ou ki, comme vous voulez, on ne va pas se battre, hein, on ne va pas commencer sur ki et chi. D'ailleurs, le mot chiropracteur, ça pourrait être lié un petit peu. Oui. Parce que d'ailleurs, il y a beaucoup de chiropracteurs, j'ai remarqué, qui évoluent, certains évoluent vers de l'énergétique ou vers d'autres choses, après d'autres sphères, et des fois, on les bannit, hein, carrément, où il y a des petits soucis à ce niveau-là. Oui, oui, absolument, parce que l'énergie, je vous dis, c'était un truc qui n'était pas compris. Maintenant, on le comprend et on peut le mesurer, comme on peut mesurer l'énergie que notre cœur émet. On pourrait faire un électrocardiogramme à 6 mètres de distance d'une personne, parce que le cœur émet suffisamment d'ondes pour que ce soit perceptible par un appareil sans placer tous les électrodes, etc., directement sur la poitrine. C'est ça qui est quand même extraordinaire. Donc on peut mesurer notre impact, on peut mesurer ce qu'on fait, donc scientifiquement, et là ça devient absolument fabuleux, parce que le corps humain a ce pouvoir de récupération qui a été évoqué par Bergson, l'élan vital. C'est la volonté de puissance de Nietzsche. Vous savez, c'est ce petit bout d'herbe qui pousse entre deux pavés. C'est une force de vie, c'est absolument génial, parce que la vie est programmée pour survivre. Et donc l'idée, c'est de stimuler cette force de vie quelque part en disant, si on change quelque chose, obligatoirement, le corps est obligé de percevoir cette information, de l'utiliser, et comme il est programmé pour survivre, il va l'utiliser intelligemment et positivement. Et ça, c'est fabuleux à voir. Qu'est-ce que vous pensez de la fasciathérapie alors? C'est une technique de nouveau, c'est un très vieux truc, les fascias. Vous savez, il y a des cycles en médecine. Il y a des modes aussi. Il y a la mode des amygdales qu'on doit enlever, il y a la mode des fascias, il y a la mode du taping aussi. Le taping, c'est génial. Les gens se promènent avec des bandes de toutes les couleurs, c'est absolument merveilleux, j'adore. On pourrait les faire phosphorescentes la nuit et tout, c'est fantastique le taping. Qu'est-ce qui marche bien en ce moment? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui vient des États-Unis? Est-ce que vous rapportez des nouvelles techniques ou Je continue de suivre des séminaires, je me régale d'étudier. Par exemple, j'adore écouter Bruce Lipton. J'ai eu l'honneur d'interviewer, hein, qui est fantastique. Moi, je l'ai vu, je l'ai rencontré plusieurs reprises. J'ai parlé avec lui aux États-Unis à San Francisco l'année dernière d'ailleurs. Et je vais le revoir au mois de mai à un congrès à Dublin ici. Donc son livre, Biologie des croyances et tout, on est en train de sortir d'un système et notre profession est au premier rang. Donc on est fasciné par la biologie, les découvertes des IRM, la neurologie aussi nous fascine. D'ailleurs le type à Dublin va être un autre professeur qui s'appelle Carrick, aussi un Américain. Et c'est vrai que de Californie, il y a encore des gens extraordinaires. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent de là-bas toujours, parce qu'il y a des universités, il y a Berkeley, il y a des grosses universités, des gros chercheurs, il y a des gros moyens. Et on découvre de plus en plus... Des instituts aussi. Hein. Bien sûr, qui sont financés. Et donc on a cette chance dans notre profession, parce que toutes ces informations viennent en anglais aussi. Hein. Et c'est la chance d'avoir étudié aux États-Unis, d'être toujours en contact avec l'alma mater, comme on dit, c'est-à-dire nos bases. Et beaucoup de recherches est publiée en anglais. Donc on est vraiment en profession chiropractique, on travaille sur le neuro-musculo-squelettique, mais en même temps on est fasciné par ce que nous apporte la science chaque jour, et particulièrement la physique quantique en ce moment. Ouais. Est-ce qu'il est important de savoir justement au niveau quantique, au niveau de l'être humain, nous, de savoir sur nous-mêmes pour pouvoir peut-être libérer encore plus cette force de vie et qu'elle passe à l'action, enfin qu'elle soit là dans notre corps, qu'elle puisse circuler librement? C'est une superbe question, vous avez raison de poser ça, parce que peu de gens pensent à ça. La première des choses, avec ce que la physique quantique nous apprend à propos du corps, c'est la complexité. C'est-à-dire, vous n'êtes pas une douleur, vous n'êtes pas un muscle, vous n'êtes pas une vertèbre, vous n'êtes pas un disque intervertébral, vous êtes beaucoup plus complexe que ça, première des choses. Deuxième des choses, c'est que le doute, il n'y a aucune sécurité, il n'y a aucune certitude, parce que le doute ou la croyance en quelque chose, le doute c'est la porte ouverte à la réflexion,
à se poser des questions. Alors que on est dans une société qui sait tout, qui a toutes les réponses, qui dit « oui, je vois le truc, vous avez mal à la tête, aspirine, vous avez une inflammation à l'épaule, anti-inflammatoire, c'est tellement facile ». En fait, la physique quantique nous apprend à nous poser des questions, à dire pourquoi cette situation est intervenue. Et une personne, ce n'est pas que ses douleurs, c'est une personne qui a un cœur, qui a des soucis, qui a des inquiétudes, qui a du stress, qui a du travail, qui a une femme, qui a des enfants, qui a plein de choses. Donc l'idée dans cette profession, c'est d'aborder l'individu dans son ensemble. Et là, de nouveau, ne me dites pas que ça peut être un travail banal ou monotone, parce qu'il n'y a pas deux individus identiques sur la Terre. Donc chaque fois, il faut essayer de comprendre pourquoi, comment. Et la physique quantique, en introduisant la complexité, elle nous donne la possibilité d'être obligé d'être concerné par plein de choses, que ce soit la nourriture, que ce soit l'air qu'on respire, que ce soit l'environnement politique, social, tout nous intéresse, l'architecture. Parce qu'il est impossible. Alors on vit dans une société qui sait partout, newtonienne, bien réglée, etc. Vous savez, le jardin à la française un peu, avec les belles allées bien tirées au cordeau. Et puis à côté de ça, eh bien, on s'aperçoit que tout est mélangé. Il n'y a pas de frontières entre le mental, le travail, la famille, tout est lié, il faut tout rassembler. Et l'architecture, par exemple, l'école, tout ça, ça joue des facteurs importants. Donc dans une société qui est thérapeutique par essence, le chiropracteur, il a un autre regard. C'est un humaniste, je dirais, en fait, plus qu'une technique. Alors justement, quand on est en contact de chefs d'État comme ça et de grands chefs d'État, est-ce qu'on a en tant que médecin et personne proche, et c'est quand même, on est quand même une personne importante pour eux puisque c'est lié à la santé, est-ce qu'on a un pouvoir d'influence comme ça sur leur façon de voir le monde? Est-ce qu'ils sont ouverts à ce quantique? Est-ce qu'ils sont ouverts à ces choses-là au-delà de simplement pour être bien et se sentir bien et vivre leur vie? Alors, il n'y a pas deux individus identiques, donc il n'y a pas deux chefs d'État identiques. Pour commencer, chaque fois que c'est une nouvelle situation, en plus, ils changent, ils sont différents selon... Ils évoluent. Je leur souhaite, en tout cas. Bien sûr, c'est toujours en mouvement, tout est en mouvement, donc oui. Il se passe des choses, c'est absolument certain. Mais ils sont concernés, eux, ils ont une vision aussi globale de la situation. Ils sont obligés de prendre en compte un certain nombre de facteurs et pas seulement voir une seule chose. Donc, ce n'est pas des spécialistes, c'est des gens qui sont aussi intéressés par le général, par tout ce qui affecte l'humain quelque part. Donc c'est vrai qu'il y a une ouverture d'esprit, il y a une curiosité aussi. Et personnellement, j'ai été le plus souvent séduit par des gens qui sont concernés par plein de choses, qui ne sont pas simplement politiques quotidiennes, etc. Mais ils pensent à l'humain, au devenir aussi, ce qui va se passer sur la Terre. Il y a des... Mais vous savez, ils ont une marge de manœuvre qui n'est pas toujours bien grande. C'est-à-dire qu'il y a des lobbies très importants, il y a des pressions financières, il y a des impératifs économiques qui changent aussi à la seconde, hein, la bourse à droite à gauche, etc. Ce n'est pas un petit job facile, il ne faut pas croire, il y a beaucoup de stress aussi. Hein. À quand le quantique dans la politique? Bah écoutez, moi je pense qu'il se passe quelque chose, la politique va changer, la politique va perdre. Je pense que les gens vont gagner le pouvoir finalement un jour ou l'autre, comme dans le corps humain. C'est des cellules qui communiquent entre elles, n'ont pas besoin de chef, parce qu'elles sont tellement intelligentes qu'elles se débrouillent. Et on a l'exemple en Belgique où il n'y a pas eu de gouvernement pendant un moment, ça ne s'est jamais si bien passé, la croissance est repartie, etc., etc. Donc ce système hiérarchisé, dur, politisé, vous savez, s'il y a de la violence à un endroit, la technique thérapeutique qui concerne envoyer des CRS, ce n'est pas la meilleure solution, ça n'a jamais rien apporté. La question que nous autorise à penser la physique quantique, c'est de se demander pourquoi. Donc tant qu'on n'adresse pas les causes profondes d'un truc, on ne s'en sortira pas. Et je dirais que les politiques à l'heure actuelle, la majorité, je pense à la France peut-être un peu beaucoup en ce moment, mais ils sont tellement attachés à essayer d'éliminer les symptômes, de mettre la poussière sur le tapis, qu'ils en oublient de voir les causes. C'est pas parce qu'on envoie un ministre de l'Intérieur 3 fois à Marseille qu'il n'y aura pas un 4e meurtre. Au contraire, j'ai l'impression que chaque fois qu'il va là-bas, 3 jours après, il y a un meurtre en général. Donc je lui dirais, restez chez lui, ou alors prenez une maison dans le sud, comme ça vous serez sur place tout le temps, ça serait mieux, c'est aussi une possibilité. Mais on ne se pose pas la question, pourquoi il y a tellement de violence? Pourquoi il y a des gens aussi mal dans leur peau, etc. C'est ça, c'est ces problèmes-là humains qu'on devrait adresser. Essayer d'aider les enfants dès la naissance, dès l'école. Et l'école, c'est pareil, si c'est les enseignants qui doivent décider des réformes scolaires, oublions, parce que, comme je dis, le nez collé contre le tableau, les doigts dans la craie, ils n'ont pas la distance pour l'objectivité, ils ont perdu les vraies priorités, le corps enseignant est très conservateur, rien ne doit changer, etc., ni la taille des cartables, ni rien, ni la taille des chaises ou des tables. Les gosses sont standardisés et la santé n'existe pas parce qu'il y a un ministère de l'éducation et il y a un ministère de la santé. Ils sont pas forcément, ils collaborent pas tous les jours, même jamais. C'est deux trucs complètement séparés. Non, il faudrait que ce soit des médecins ou des professionnels de santé qui s'occupent de l'école parce que c'est très important pour l'avenir et le devenir d'une personne. Et il n'y a rien de plus important que la santé. Réfléchissez combien de temps un enfant passe
pour apprendre à respirer correctement. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la vie de plus important que la respiration? Si vous ne me croyez pas, cessez de respirer 5 minutes seulement, vous allez voir ce qui se passe. Donc, et on n'en parle pas de ça. La posture, ça joue un rôle surtout sur plus tard les rhumatismes, toutes sortes de saletés, de maladies. Pas une heure de cours n'est dédiée à la posture. Les jeunes gens qui vont avoir des enfants plus tard, etc., 1 ou 2 ans, 3 ou 4 après le lycée, combien de temps on a consacré à leur expliquer ce que c'est que la vie en biologie, la vraie vie, qu'un enfant à prendre dans ses bras, l'amour, la responsabilité? Rien. On est occupé dans une société qui ne pense qu'à la croissance, dont on parle, on balance des milliards de francs ou d'euros plutôt à la télévision pour impressionner les gens à droite, à gauche et tout. Rien ne se passe. Puis surtout, on pense qu'à soi sans penser que ça a des conséquences sur les autres et sur la planète. Enfin, on est comme des petits indépendants, des petits néons. Vous avez parfaitement de raison de dire ça parce qu'on est dans l'interdépendance. Vous savez, dans le temps, on pouvait se dire, oui, en Afrique, les gens ont faim là-bas, d'accord, mais enfin, ils sont à 4-5 semaines de bateau, on s'en fout. Maintenant, avec l'avion, ils sont à 4 heures de notre living room, de notre chambre à coucher, ils sont là. Donc, leur santé ne nous intéresse pas pour de bonnes raisons chrétiennes, morales, etc. On a déjà donné assez avec ce genre de valeurs, d'idéologie, je dirais, qui est complètement foireuse et qui a raté complètement. Non, c'est une question d'intelligence maintenant. C'est notre devoir d'aider les gens parce que ces gens, leur santé a un effet sur notre propre santé. Donc on est un, nous sommes un sur cette terre. Et si à droite, à gauche, une partie du corps est malade, ça va affecter l'ensemble un jour ou l'autre. Donc c'est exactement ce qui se passe au niveau de l'humanité pour l'instant, avec des problèmes d'eau qui sont absolument énormes, comme vous le savez, avec la faim qui ne se réduit pas mais qui continue d'augmenter. Et donc on doit être concerné par tout. Et c'est pour ça que j'adore cette profession, parce que l'étude du corps humain m'a permis de comprendre qu'il fallait tout regarder. Et maintenant, dans notre société, eh bien, le corps, c'est le plus bel exemple de géopolitique. C'est le meilleur professeur de géopolitique. Ah oui? Bah oui. Parce qu'on a dans le corps les interdépendances entre les organes. Et comme image un peu drôle, je dis toujours dans le corps, dans le monde, eh bien, on peut prendre de chaque continent comme un organe et dire, tiens, les États-Unis, c'est les poumons, l'URSS, le cœur, ou ce que vous voudrez. Et la France, l'estomac, peut-être, on va dire. Et donc, c'est un immense organisme. Et au lieu d'avoir 100 000 milliards de cellules, il n'y en a que 7 milliards. Mais ça pourrait être le même fonctionnement bientôt avec le système nerveux qui est un tire-net. Les cellules sont ? Les cellules, c'est des individus. C'est vous, c'est moi. Vous n'êtes qu'une cellule, jeune dame. C'est ça. Bon, bah, toutes les petites cellules qui regardent cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié ce message. Merci beaucoup. On vous retrouve lors de congrès comme ça, c'est courant ? J'aimerais bien. Si c'est l'occasion se présente, je me réjouis de parler avec vous. J'espère que je vous reverrai. Avec grand plaisir. Merci. En tout cas, on a tous bien apprécié. Hein. Je parle pour le nom de tout le monde, mais merci de cette délicieuse conversation très ouverte et d'intelligence aussi du cœur. Hein. Merci de votre attention. Merci infiniment. Plein de gros bisous. Au revoir.